toutes et à tous. Aujourd'hui, changement de décor, nous sommes dans l'un des fameux onsen très prisés d'Osaka. Et avant toute chose, nous tenions à vous remercier d'avoir choisi cette destination lors de notre soirée de départ, tout simplement parce que c'est un endroit magique et merveilleux. Nous sommes arrivés hier soir et nous avons déjà commencé à tester les bains durant la nuit car ils sont ouverts jusqu'à minuit. Nous sommes actuellement à l'hôtel Fushiyokaku, qui se trouve tout près d'Osaka et en bordure d'océan. Nous sommes tout proches de la côte. Ici, l'hôtel est un ancien salon de thé qui existait déjà dans les années 40 et depuis maintenant 45 ans, c'est devenu ce fameux hôtel dans lequel nous nous trouvons. D'ailleurs, cet hôtel qui monte l'eau naturelle au milieu de ces roches volcaniques à environ 42 degrés car elle sort, elle, à 25 degrés de manière naturelle. Et cet endroit qui est aussi appréciable et agréable à l'extérieur qu'à l'intérieur est en fait un peu assimilable en version japonaise à nos termes françaises. En effet, l'eau qu'il y a ici a également des vertus thérapeutiques pour les rhumatismes, la relaxation, l'ostéoporose. Mais surtout, au-delà de s'occuper de notre corps, eh bien, on s'occupe aussi ici de nos papilles en nous en voir vraiment de toutes les couleurs. On a mangé divinement bien dans cet endroit. Juste parce qu'on vient d'avoir droit à une visite guidée carrément de l'établissement en entier parce qu'ils nous ont vus avec la caméra, on s'est dit qu'on était absolument obligé de vous filmer les onsen à l'intérieur de la chambre juste à côté de la salle de bain. Donc bien évidemment on n'a pas voulu les embêter à lui faire remplir d'eau cette grande cuve, mais voilà ce que vous pouvez aussi trouver à cet endroit à côté d'Osaka. On vous dit à très bientôt, on vous remercie de nous suivre, on vous remercie d'être aussi nombreux et franchement, on espère que vous allez nous choisir des choses aussi magiques au Cambodge. On se retrouve très bientôt là-bas car nous sommes déjà le 8 février et que notre avion part demain pour le Cambodge. Ciao! En personne de l'établissement en tenue traditionnelle. Je vous cache pas que c'est quelque chose que j'ai cherché à faire depuis 15 jours au Japon pour avoir un souvenir pour moi et pour vous et que ça a été super difficile. Alors je suis vraiment heureuse cette dernière journée d'avoir enfin réussi à porter la tenue traditionnelle des japonaises. Alors merci à l'établissement. Arigato gozaimashita.